Salut à tous et à toutes, c'est Balz et Fanny, nous voici de retour sur Amnesia The Dark Descent pour la partie 4 de ce let's play ultra méga flippant, stressant, horrible, je jette des objets pour me rassurer. Voilà, donc on va reprendre tout de suite. Donc comme d'habitude, je tourne le jour même, donc là il est 9h32 du matin, cette vidéo devrait être postée dans pas super longtemps. Et donc voilà, écoutez, c'est parti. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais, en sachant qu'en fait, je tourne toujours les épisodes le jour même. Donc, les épisodes que j'ai postés hier, je les ai tournés hier. Les épisodes que j'ai postés avant-hier, je les avais tournés avant-hier. Parce qu'au moins, ça me permet vraiment de suivre vos commentaires, etc. Et puis, j'ai un peu que ça à faute de mes journées, dans un sens. Donc, c'est pour ça que je peux vous poster 3 vidéos par jour. C'est que, bon, j'encode assez vite, etc. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. Bon, ça va, j'aime bien cet endroit, il me rassure. Il me fait pas trop flipper. Oh, un livre. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il y avait un mécanisme. Je crois qu'il faut en tirer un, puis un deuxième rapidement. Attendez. J'ai tiré. Ok. De toute évidence, tu allais tirer le premier, ça c'est sûr, mais... Voilà. Alt... Château de Brennenburg. Pourquoi cette drôle de musique d'ambiance? Alstrad est une autre région riche en traditions située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien en Union. Ok, super. Cool ta life. Ah, ça doit être lui le deuxième à tirer. Ok. Allez. Ah, peut-être lui aussi alors. Ah. Il y a une caisse qui a été... qui est buggée. Ça va, Kessounette? Kessounette, viens avec moi. Kessounette, je te sauverai. Ah bah non, t'es coincé. Bon bah ce serait toi, Kessounette. Tu vas venir avec moi. Ça c'est un monstre, je te jetterai sur lui. Non, ça va. Mon ami Kessounette. Oh, une clef. Clef. Oula. Oula. J'ai eu peur, mais voilà. Ok. I will survive. C'est quoi? Oh, je suis désolé, mais j'ai la flemme de lire. Ouais. Ok, rien. J'ai pas aimé le bruit que ça a fait. Je vais me rassurer. Voilà. Ça va mieux. Allô? Attendez, j'ai un lag. Ah voilà. Je sais pas pourquoi il lag encore aujourd'hui mon jeu. J'ai pris une clé mais je sais plus du tout à quoi elle me sert. C'est pas par là. Le bruit qu'on a entendu, il m'a trop stressé. Mais genre... à mort, maintenant, je suis tout flippé. Hein. Je peux pas marcher dessus pour l'écraser. Vous savez, le mec, il fait un bruit bien dégueulasse. Mais je suis con, il y avait une porte juste à côté, mais je suis un peu teubé quand même. Là, il y a une porte. Ah, mais ça s'est ouvert... Ah, me revoilà ici. Je suis déjà venu ici, non? Oui, ici, j'avais même jeté une statue derrière le fauteuil, il me semble. Ouais, ben, sauf qu'elle a peut-être dû disparaître. Vieux livre. Je suis déjà venu ici, non? Ouais, j'étais déjà venu ici. Ouais, mais j'avais pas pris ça. Donc, je vais le prendre. Ah, voilà.
Bon, désolé, je parle pas beaucoup, mais le bruit m'a totalement traumatisé ma vie, donc... Là, je suis en mode flippé de la life. Elle est chelou, cette table. Étude. Ça ne veut pas bouger. Ah. Je peux pas utiliser une clé sur une porte. Eh, non, mais... Ok, pourquoi pas. Je suis pas sûr d'être déjà venu ici, alors... Oh, un miroir cassé. Aïe. Ok. Pourquoi pas. Ça me rassure de courir un peu. Non, 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 par contre là j'ai entendu le monstre, vraiment. Oula, les frissons que je viens de me prendre. Allez, faut que j'aille voir. J'ai entendu mais je vois pas. En fait je veux le voir, ça va me rassurer de le voir. Si je le vois pas, ça va me faire flipper tout le temps. Tu peux pas grogner un coup. Eh, j'ai le cœur qui bat à 200. Mais vous voyez, j'avance, hein. Je suis pas, je suis pas genre fixé dans mon coin. Parce que si je reste fixé dans mon coin, je vais juste flipper parce qu'il y a un monstre. Non, non, j'avance et je veux le voir en fait. Je veux voir le monstre. À partir du moment où je le vois, il me fait pas peur. C'est juste que être surpris, ça me fait trop flipper. C'est pas un bruit de monstre, ça, c'est un bruit chelou. Okay. On m'a dit qu'il n'y avait pas de monstre normalement au début, hein. Allô? Bonjour. Je suis déjà venu ici. Oh putain, non, 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 non. Oh non, c'est pas le moment de laguer, là. Bonjour, je m'appelle Jean-François Copé. Cette porte? Le hall d'entrée? Bon, je récupère une clé, je sais pas ce que je peux revenir au hall d'entrée. Dans le doute. Putain. Non, vous voyez, c'est ça qui me fait flipper, c'est de pas le voir. Moi, quand je le vois, ça me dérange pas. À partir du moment où je l'ai vu, je sais où il est, etc. Ah! Ah ouais, ça me semble qu'il faut pas que je marche dessus, c'est ça. Ah oh, hop. C'est dégueulasse. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Je continue, hein, c'est pas grave, je vais pas arrêter le jeu maintenant, c'est seulement la quatrième partie, quand même, ce serait ballot. C'est pas une note, ça. Non. Il y a des coyotes de repérer, mais... Et donc, la porte verrouillée, je crois qu'elle est par là, mais je suis pas sûr. Ah mince, encore un lag. Il va falloir que je règle ça. La cave à 20. Ah oui, et c'est là que Flambius, le très gentil Flambius qui me conseille quand je joue à ce jeu, m'a dit que dans la cave à 20, c'était là qu'il y avait le premier monstre. Et je n'ai pas des masses envie d'y aller, donc je vais rester devant cette porte sans rien faire. Tiens, je vais regarder la clé, ça sera quoi? Ah, c'est la clé de la cave à 20. D'accord. Donc je vais rester là, de toute façon je lagouille un peu, donc je vais régler 2-3 détails. Je crois que je sais ça à cause de quoi, j'ai plus assez d'espace disque sur mon espace disque C. Donc je vais vous laisser en plein suspense de voir quand je vais aller dans la cave à 20. Non mais parce que là en fait je suis totalement flippé. Enfin pas vraiment, disons que le cri du monstre il m'a fait peur parce qu'en fait Flambius, il m'a dit que le premier monstre était dans la cave à 20. Or je m'attendais pas donc à entendre le grognement du monstre. Mais là c'est parce que je le vois pas, quand je le verrai, voilà quoi, j'aurais vu, je saurais qu'il est là, etc. Parce que ce que j'aime pas c'est avoir peur, une peur surprise, ça je supporte pas. Donc j'espère qu'il me fera pas peur. De toute façon j'ai eu un plan, j'ai un plan dans ma tête. Quand je vois le monstre, je fonce dessus avec ma lanterne, comme ça je peux le regarder et voir comment il est, et il me fera moins peur. Et donc je vais jouer avec, genre courir et tout, ce sera marrant. Donc le prochain épisode, je vais essayer de courir avec un monstre, ça va être mignon comme tout. Mince, j'use mon huile pour rien. Ah merde, j'ai presque plus avec mes conneries. Ah, c'est ballot, putain, je suis con. Depuis tout à l'heure, je vous parle, je garde ma lanterne à la main comme un teubé. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais comme ça, je suis en train de flipper.
Bon bah je suis con, j'ai qu'à faire ça. Voilà, non, je vais sortir ma lampe, et voilà. Elle est pas encore assez bien sortie, voilà. Et donc, je vous reprends dans l'épisode prochain, donc j'espère que cette série vous plaît. Moi c'est clair que je m'éclate dessus, parce que c'est passionnant quoi, Amnesia comme jeu, bon même si je suis pas mort, c'est plutôt cool. non, franchement j'aime bien. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, ou à vous abonner si vous aimez aussi les autres vidéos. Aussi quelques précisions sur la découverte de jeu que j'ai fait. J'ai eu un commentaire qui me disait que c'était pas vraiment un test, et c'est vrai, pour finir j'ai appelé ça une découverte de jeu, parce que bah non quoi, c'était pas vraiment un test, et donc c'était mieux d'appeler ça une découverte de jeu. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, merci d'avoir regardé celui-ci, et je vous aime tous très fort, bye bye.